comme à calamité 12 heures. Donc pour l'instant, annonce à présider comme à 14 heures. Vous me baya kota la bango mon ami sur ce qui se fait. Baya kota la makambo bakanse que ça changement en dengue zalina en état nango. Vous me que les gens viennent parce que ngana na qualité à annuler manifestation T. Cela veut dire que pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, président Nabino Martin Fayulu est censé parler à 14 heures. Donc vous me écoute boyé et puis boyé que mon ami sur Nabino si beaucoup mina air mususu ou pas. Est-ce que les choses ont changé? Est-ce que ce pays est encore dans l'État? Est-ce que c'est la continuité? Boyan interfédéral et MFC n'en venaient les enseignements comme ça. Et là, comme il faut le clair parce que j'ai vu des gens commencer à ergoter et à dire des choses. Il ne faut pas comprendre. Tant toujours ça, la Makambo, par exemple, la MFC, les gens se disent, ah, ils ont la MFC. MFC, ils ont la coalition, la Mouka. C'est-à-dire, autant que nous sommes la MS, autant on peut aller partout, place, aux unions, ceux à la Nouvelle-Hélande, la G7, aux hommes, on a QG, ils ont partout. Tozota en fonction pays cause à l'espace donc que les gens ba meka ko meka division ezalakate au moni bazo ke ne ka pas boy ba ke ne pas boy non maman Eve Bazaï ba était clair par rapport à cette histoire là ba tu faut ba comprendre ka musu chezo ya bondé nini depuis tozomona ba leader au bazana poto bazolo baté ba lokola ba Jean-Pierre Bemba ba ndeko lokola ba Moïse bazolo ba directement te bana mamba publication il faut boy ba ke na kata coalition la muka mutu na mutu na role nae. Les gens font ce qu'ils font. Mutuna mutau sala makambe bele bozo mona ah ils avaient ba résultat ba msusu nde bazo bunda libanda. Donc ne demandez pas mutunyo so sala ndenge moko ne rentrez pas na idée qu'on est en train de tenter de vous vendre ah et komi bo ah et komi bo non makambe komi bo ite la preuve quand c'est la muka qui signe le communiqué synergie naba direction ya ba leader nyoso bazo le backup na ndenge makambe zali. Nous ne reconnaissons pas Makambo au cours constitutionnel à l'obité. Donc, nous allons poursuivre le schéma exactement de président à l'obaki. Et puis, nous espérons qu'il y aura les voies et moyens pour que tout à l'heure, à 14h, nous nous faisons tout ce qu'on peut pour faire en sorte de rendre nos situations un peu plus simple pour beaucoup de Tanakati. On n'a rien entravé. On a laissé les choses et pour ça, mais tout en disant à tous les Congolais, vigilance, tout aussi tout ennemi déjà, et que président, dès qu'il va prendre la parole, vous saurez exactement mais vos salamode opératoire. Mais vous êtes déjà libre. Merci Alex Dende d'avoir répondu à notre invitation dans le cadre de cette émission L'après-vote. C'est moi. Ok, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous avez suivi l'un porte-parole de Martin Fayulu. Le programme jusque-là n'a pas changé. Martin Fayulu va se prononcer aujourd'hui à 14h au siège de l'interfédéral du MLC, sauf imprévu ou changement des dernières minutes parce que nous avons suivi. Il pourra intervenir d'ici 12h à 12h30, on dira. Voilà, donc c'est pour vous dire que jusque-là, le programme est maintenu. Alors, je vous dis au revoir et à la prochaine.